Bonsoir à tous, ici Willow TNT, on se retrouve aujourd'hui sur du Destiny, et hey, yeah. Donc pour l'épisode 16, si mes souvenirs sont bons. Donc on va faire aujourd'hui un petit assaut dans les fosses de la vocation. Ah ouais, j'aurais peut-être pu le lancer ça. Donc fosse de la vocation, c'est le l'assaut de niveau 12 pour l'océan des tempêtes sur la lune. Donc c'est le seul qu'il y a sur la lune pour l'instant. Si jamais, peut-être avec une prochaine DLC, il y aura peut-être plus d'assauts. Donc, voilà, recherche, level 14, level 14, level 14, ça c'est cool, on va regarder les armes qu'ils ont. Donc j'ai appris un peu mieux à jouer, encore mieux à jouer plutôt, alors que déjà avant je savais pas mal jouer, maintenant je sais encore mieux jouer, c'est un truc de ouf. Il s'avère que... s'éveille dans le gouffre des enfers. Attendez, chut, nous chut, le sentons. Télé, chut. Une abomination créée par la ruche pour semer l'effroi. Hop, nous voilà, devons entrer c'est bon. Dans les fosses j'ai de la vocation et détruire cette créature. Donc avant je suis avec qu'elle ne soit lâchée contre nous. Un chasseur. Et un titan. Ouais, bah nickel, on est un de chaque là. Moi je suis arcaniste. Donc toujours pareil, hein, level 14. J'ai pas amélioré mon bonhomme en fait, c'est que j'ai joué avec mon deuxième perso, du moins mon deuxième perso, le titan, le plus haut level. Qui est level 27, bientôt 28, il a 99 de... je voulais dire oui, il a 99 de... de particules de lumière, donc on verra ça très prochainement en tout cas. Avec les particules de lumière, qu'est-ce que c'est, etc. Bah là y'a pas de chasseur. Bon bah tant pis. Donc en tout cas moi ça fait plaisir de rejouer sur un peu du Destiny parce que ça fait longtemps. Je ne sais pas jusqu'où nous devrons descendre pour trouver les fosses de la vocation. C'est bon ? Ah si ça bug. Et re les amis, alors. Il s'avère que j'ai fait 3 trucs. 3 ou 4 trucs. D'une, j'ai utilisé la thune. Voilà. De 2, j'ai re-acheté des cosses. Voilà, comme vous pouvez le voir. De 3, en fait, j'ai acheté un flingue. Un fusil de précision. Donc de level 15. Je suis passé level 15 en tenant, tu sais, le contrat. Vous savez, le contrat que termine un assaut sans mourir. Du coup, ça me l'a fait gagner. Du coup, je l'ai utilisé. Du coup, je suis passé level 15. Donc, j'ai amélioré ça. Maintenant j'ai les bombes Nova qui suivent obligatoirement mes ennemis. C'est trop mignon ça. C'est trop génial. Mais je peux pas expliquer comme il faut, comment. Bref, j'ai gagné un fusil de précision abyssal. Ok, vous passez devant. Comme toujours. Donc le vrai gardien, nanana. Donc lui il s'avère que déjà il est déjà un peu meilleur, même largement meilleur que mon fusil là. Qui est là. Qui est quand en passant le niveau j'ai pu l'améliorer à fond. Donc maintenant il fait plus de dommages. Et il y a plus de précision quand je tire à la hanche, donc quand je vise pas en fait. J'ai gagné un fusil à pompe aussi. Donc ça c'est le bazooka que j'avais gagné tout à l'heure. Du coup j'ai pu le passer de level parce que j'ai gagné de l'expérience. J'ai gagné des gants. Non, j'ai gagné un casque aussi. En fait c'est, je l'avais oublié, j'ai eu un item rare, un engramme rare. Et du coup j'ai pu le récupérer. Du coup je l'ai amélioré. Donc du moins j'ai pu l'améliorer. Et les gants j'ai pu les améliorer aussi. Donc là je suis retourné sur terre. Si vous vous demandez pourquoi, c'est parce que j'ai changé mes trucs. J'ai collecté des puces dans le cosmodrome, facile. Et j'ai fait les missions dans les limites du cosmodrome. Voilà. Donc après, on va faire des quêtes faciles. Tranquille. Il nous reste à peu près encore 10 minutes de jeu ensemble pour l'instant, pour la première partie de la session. Donc j'ai prévu de faire une bonne session. Ça, je l'avais pas expliqué avant, je crois. J'ai prévu de faire une bonne session. Donc 3-4 épisodes dans la session. Nous offrons une récompense pour tout matériel récupéré. Ça fait récupéré. Un petit moment que j'ai pas votre fait ça, bah je me suis dit, oh, les détails. Pourquoi tu ferais pas un peu de Destiny? Ça fait longtemps, je sais pas, Oui, je me parle comme ça, tout seul et comme ça, c'est tout. Là faut que je les rébute pour récupérer les capsules d'interface. Donc ça c'est simple, c'est une mission simple. Tiens, on va tester le nouveau sniper parce que du coup j'ai pas pu le tester. Alors
Déjà il one shot les ennemis. Il fait des têtes à 1156 de dommages, je crois, il me semble avoir vu. J'ai pas vu le dommage combien j'ai fait. C'est pas grave. J'ai gagné un engramme vert, il me semble. Ça n'a rien à dire. Viens là, toi. Le système fusil, je crois. Donc, ça, c'est un fusil de. Vers corps à corps. Non, oui, corps à corps de. Ah, impulsion. Donc, free shot. Voilà, ensuite. Il me semblait pas qu'il y avait une mission intéressante. Donc, on va passer par là. Donc c'est pareil ici, je connais pratiquement tous les emplacements des coffres, où est-ce que ça apparaît, je connais aussi où est-ce que toutes les plantes métallifères apparaissent. Je connais quoi d'autre tous les coffres, tous les mousses. Je sais aussi quel signe, quand je choisis les missions, quel signe donne quel signe. Comment donne quelle mission. Pour ça aussi je passe sur la tête parce que je savais qu'il y avait pas mal de rebuts. Je vais dire à la cité que nous avons tout ce qu'il faut. Ça devrait nous valoir une belle récompense. Hop. Le petit raccourci. Donc pour passer dans cette fenêtre là, tu sautes et t'appuies sur rond. Du moins sur PS4. En tout cas, t'appuies sur rond pour te baisser pour passer dedans ou même sur PS3. Chargement. Je suis fier de mon petit sniper là. On dirait un Beretta en plus à la tête. J'en profite, je danse. Non, c'est bon. Voilà, donc là, on arrive ici. Donc, à quoi comme mission? Donc, les signes comme ça, ça veut dire tuer certains ennemis pour amasser des trucs. Le signe là-bas, je crois que c'est tuer un gros ennemi, il me semble. De toute façon, on verra bien. Non, c'est pas ça, tuer un gros ennemi. Donc, déjà, on va ramasser ça. Hein. Je vois pas pourquoi. Gardien, n'hésitez pas à me ramener tout ce que vous pouvez. Ah oui, les collecteurs. Faut que je tue des collecteurs pour ramasser des trucs dessus. Ah ouais? Tu veux faire un duel de sniper, toi? Boum! 1326. Ça, ça fait plaisir. Hop. Donc là, y'a rien. Là, y'a rien. Moi, c'est une vigueur. C'est génial, les sims, ça. Hop. Tu veux le crever, tire-lui dedans, pas à côté. Voilà. Coffre, on en profite, hein. On cherche tous les coffres possibles que tu veux, le vandal. Mousse métallifère sert à améliorer les objets, à passer, à avoir des écus dans les grades. Là, j'en ai récupéré deux, ça me fait 60. Oh, c'est cool, ça. Je sens bien en avoir vu un autre. Donc là, je vais voir s'il n'y a pas le coffre. Le coffre peut apparaître. Il y a un coffre épique qui apparaît ici, là-haut, derrière ici, et il y a un autre endroit, mais je m'en souviens plus. De tête comme ça, je m'en souviens plus. Excusez-moi. Là-bas. Non, ça, c'est un coffre normal, apparemment. Non, c'est pas le coffre épique, ça? Peut-être, peut-être, peut-être. Non, c'est un coffre normal. On s'en fout, hein. On va pas cracher sur un coffre normal. Donc dans les coffres, il peut y avoir toutes sortes d'objets. Limite, c'est des objets encore plus puissants que les coffres dorés, pour vous dire. Il peut y avoir des milliers d'objets différents. On peut gagner aussi un coup de 10 000 métallifères, par exemple. Moi, je sais que bah, un pote rabbit, lui, il a ouvert un coffre, il avait 10 mousses métallifères dedans en mode c'est bon, les gars. Personne ne pourra me surpasser au niveau de coffre. Donc voilà, ça c'est fait. Là, j'ai tué lui. Une autre mission. Ok, celle-là là-bas. Bien Holiday. Qu'est-ce que c'est bien. On va la prendre. Excusez-moi si je parle beaucoup. C'est que j'ai envie de t'expliquer plein de trucs et vite. Et vu que j'ai pas envie que l'épisode dure. Gardien. J'aimerais que vous fassiez un relevé ça, c'est de votre secteur. J'envoie les détails un relevé à d'empreinte, un relevé de secteur. Vous faites toutes sortes de choses. Donc là, au passage, j'en profite, je vous montre à peu près les endroits là où ça pop. Du moins, voilà. Un coffre épique.
là où les coffres, là où les objets pop. Du moins respawn. Repop, c'est, ouais, c'est pratiquement la même chose. Tac, j'en profite, je regarde un peu partout. On peut même repopper ici là. Il y en a un qui respawn ici. Voilà, il va falloir le relever. Chargement. J'en profite. Yeah, yeah. Stop. En avant. En avant. Bon, quand tu veux, par contre, chargement de l'infini, c'est bien. Mais moi, voilà, je voudrais un peu jouer quand même. Excusez-moi. Donc là, en fait, c'est la guerre entre les Raybuds et les ouais, c'est la guerre entre les déchus et les. J'ai trouvé le nom. Ah putain. Les déchus et les. Les déchus et les autres trucs. Si là, j'arrive pas à trouver le nom. Donc là, je crois qu'il y a d'autres missions aussi. Voilà. Donc ça, par contre, c'est des missions là où il faudra explorer. Une mission comme ça. Avec ce signe-là. Et l'autre signe, là, je vais en profiter, je vais le faire. C'est une mission là où, en fait, il faut défoncer tout le monde de la zone. Du coup, c'est super pratique. C'est super rare, hein. C'est cool. On perd pas de temps, moi, comme ça. Ah, putain, je crois qu'ils étaient... Ah, il y a lui qui était... Ah, du coup, toi, tu t'es mangé un petit peu. Hop. Je vais en profiter, je cours vite, hein. C'est exprès. Le truc il était. Donc là j'en profite, je vous montre encore un autre endroit. Tac tac tac. Tac 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 tac. Hop, voilà, un autre coffre. Voilà, regardez. Vous voyez, j'ai gagné un canon plus Moss Cannon. Ganon. Truc de l'état. Là j'en profite, je suis tout le monde. C'est temps de reconquérir cette zone, gardien. Balayez l'ennemi. Je transmets les détails. Même si c'est un objet qui m'intéresse pas, c'est quand même un objet à démanteler pour gagner des trucs. Oh, il y a un événement. Éliminez la cible. Ça pourrait être intéressant. Je sens que ça va être une cible invincible là comme la dernière fois. Elle est où la cible? Ah bah elle est pas très loin la cible. Bon. Très bien, allons-y. Ouais, elle est quand même balèze la cible. On met un chargeur dans la tête. On teste le nouveau bazooka. C'est vrai que maintenant j'ai deux roquettes. Ils ont presque réussi. Deux balles. Ah, de te planquer, saloperie. Regarde là. D'où tu pars comme ça là? Reviens là. Reviens là. Toi tu meurs. Ouais, elle est mieux. Nous les avons presque tous battus. Bah merde. La prochaine fois. Tuez la cible avant qu'elle n'atteigne la destination. Ouais, bah attends, excuse-moi, mais elle est un peu vite à la fin la cible. Bref, je suis plus les ennemis, j'ai dit. Y'a plus personne. What the fuck is that shit? Non, pas abandonner le même objectif, s'il te plaît, c'est un objectif très facile. Non, j'ai dit non. Ah voilà, là je sais qu'il y a des... Allez hop, comme ça j'en profite, je termine un autre truc. Et toi t'en profites, tu meurs aussi. Et voilà. De règles sur les doigts, je vais dire à Kate que c'est fait. Hop, toi tu meurs aussi.
Alors après c'est des trucs passés par ici pour voir ceci. Donc... Ouais. Je sais que ça va m'envoyer à l'autre bout du monde, ça se trouve. Excusez-moi. Ah, chargement de merde. Tiens, go. Donc là, de localiser les balises, bah, comme je les ai déjà toutes faites ici. Ça met, je crois que ça met un truc en, comme 5 à 10 minutes pour se régénérer. Oh, regardez. Objet perdu. Non, c'est pas vraiment un objet perdu, c'est moi qui l'ai laissé là. Je vais le dire. Ça va être donc les bleus comme ça. Surtout quand ces signes là, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc ça peut être, du moins tout et n'importe quoi. Ça peut être un objet de classe. Donc pour moi c'est le brassard, pour les... Et... Merde. Pour les chasseurs c'est... Ah bonjour vous. Je savais pas que vous popez ici. Pour les chasseurs c'est la cape. Pour les... Et pour les titans c'est le fanion. Le fanion c'est bah, une espèce de ceinture là. Doré, chargement, encore. Ils ont pas fait une nouvelle quête ici. Ah si, vous voyez, il est nouvelle. Bon, il y a les deux que j'avais pas prises. On va faire d'abord celle-là là-bas. Celle-là là-bas en fait avec la croix comme ça, c'est une élimination de d'un monstre, tout simplement. Et je sais que celle-là en fait, qui est proche de là-bas, va m'envoyer de l'autre côté. Ça me sert un peu à rien. Donc celle-là avec l'étale, je crois que c'est une élimination. Si mes souvenirs sont bons. En tout cas. Comme ils sont souvent bons, normalement ça devrait passer. Donc pour l'instant, ne pas aller en bas avant le level 18. Je précise. Et qui va m'envoyer où? Gardien, une présence malveillante rôde dans votre secteur. Surveillez les ombres. Putain. Il va m'envoyer où? Là. En fait j'aurais peut-être dû prendre directement le truc. Ah c'est déjà la fin de l'épisode. Ah bah on tue ce malotru. Faut que j'arrive à monter. Voilà. On tue ce malotru là, ce seigneur des. Ce serviteur déchu, excusez-moi. Et après bah on va quitter. C'est tout. Parce que l'épisode a déjà duré trop longtemps. Bien trop longtemps même. Hop, des bottes de logisticien, bon ouais, c'est déjà mieux que rien, ça fera des trucs à ramasser. Du moins, des lumens, ça fera des lumens, ça fera quoi d'autre? Lumens. Et... Merde, comment ça s'appelle? Lumens et... Lumens et... Des... Pas du plastacé. Le titan. Du liquide bizarroïde, ment bizarre. Voilà, on va l'appeler comme ça. Là, je regarde s'il n'y a pas les coffres. Il n'y a pas l'air d'être derrière là non plus. D'où on balance des grenades. Sans plus, c'est le vaisseau poulet. Il y a un peu rien là. Par là-bas encore. Ah voilà, il est là. Voilà. Quête terminée. Le problème, c'est qui va en côté avec moi. Hein? Voilà. Voilà. Bon bah sur ce je vous dis de fin de l'épisode, je vous fais de gros bisous à tous, n'oubliez pas de pouce bleuriser la vidéo, de partager, d'aimer, etc. etc. Hein, comme d'habitude, vous commencez à savoir le principe. Sur ce je vous fais de gros bisous à tous,
Et je vous dis à la prochaine. Allez, gros bisous.